Nous-mêmes, nous pensons que faut que démarche là très inclusive. C'est ça que fait nous rejoindre nous. D'abord, Jamaïque avec des partis politiques, parce que nous croyons que c'est consensus. Faut que démarche là, faut que véritablement inclusive. D'accord? Nous pas penser que les capables retirer pied mal alors j'en dis là mettre pied pas moi penser que et c'est nous toutes qui pour ensemble travail et je dis ou gagner ça m'ta capable accord 21 décembre. Mais on a gagné des gens qui signent à quoi 21 décembre. Là. Et est-ce qu'un beau matin, nous sommes capables de dire que les gens, nous allons faire une gouvernance, là, nous allons faire un gouvernement, et que les gens ne sont pas supposés là-dedans. Non. Et nous ne croyons pas que nous sommes capables de faire comme ça. D'accord? Nous croyons nous-mêmes que fondamentalement, les gens qui signent à quoi 21 décembre, ils doivent faire partie de la solution. Nous pensons. Ariel Henry doit faire partie de la solution. Bon, même si on est ensemble avec Ariel pour dire mais comment on va aller, mais comment on a organisé des pas là, mais elle doit faire partie de la solution hein, et nous pas capable un bon matin pratiquer ça, monsieur, tu as fait contre le président Jovenel Moïse. Parce que moi-même et le monde qui t'a servi le président Jovenel Moïse, tu connais que le monde qui t'a bataille contre lui, il n'est pas sincère. Je te connais que c'est des monde qui t'est intéressé, c'est des monde qui t'a réglé à faire pas. Donc, c'est peut-être ça, nous-mêmes, approche-toi comme on partit du centre, on partit de synthèse. C'est tout le monde dans la solution hein, pour nous capables véritablement dégager un consensus. Chaque fois, Dr. Aguilera qui plie, attendez, mais comment nous allons organiser nous pour qu'on départ ordonné pour aller. Paul, ça vous fait le bien? Bon, écoutez, c'est 2 ans, c'est 2 ans et demi après. Docteur Ariel Henry, c'est un homme de haute culture, grand savoir, son intellectuel. C'est un homme de consensus. C'est un monde qui gagne tout mérite lui, d'accord. Mais qui, je dis à la pas capable résultat peut-être pouvoir. Et c'est un monde qui connaît réalité politique là en Haïti. C'est un monde qui connaît les acteurs politiques. Et il connaît véritablement les femmes et les hommes politiques en Haïti, M. Ariel Henry. Donc, moi, je pense que je ne pas seulement mon cap dire que, eh bien, il faut que nous fassions bagarre avec le pays. Un homme de consensus, je vous dis là, et puis pendant la dernière discussion, l'équipe qui a été capitaine de nous passer le temps. Je l'ai dit, un homme de consensus, je l'ai dit, c'est un monde qui, peut-être c'est pas le mot, mais c'est un monde qui. Moi-même, j'ai une expérience avec lui dans la passation pouvoir. D'accord? C'est un monde qui connaît le monde. C'est un monde qui est dans le conseil des sages. C'est un monde qui est dans différents partis politiques. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a une culture pour le chita, pour le temps des mondes. Et là, je pense qu'il faut le temps des, il faut le ouais, réalité, que nous vivons plus mal après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le pays a effondré. Et là, littéralement effondré. C'est les gladiateurs qui étaient là, qui vivent. Donc, il est important pour M. Ariel Henry, les temps de raison, pour nous diriger avec un exécutif bicéphale qui peut mener nous à une élection transparente, élection inclusive et élection honnête. Situation, yo, vient à empirer chaque jour plus. Insécurité, vient à grandir plus toujours. Gon secteur qui n'a opposition hein, qui a même voulu un changement dans le gouvernement, soit un gouvernement bicéphale ou bien pour premier ministre Ariel Henry pas là encore pour gagner l'autre gouvernement qui vient pour garder pays pour organiser élection. Qui côté que nous y est jodi hein, et dans situation ça et surtout position parti politique aidé dans tout ça qui a passé là. Bon et jodi nous dans en situation de même Jean nous de gagner en vain visite CARICOM. C'est 3 missions CARICOM fait ici. Toutes 3 missions ça yo échoué parce que pouvoir à Kaliel Kembe Code Red
sous position c'est yo pour gagner contrôle toute réalité pouvoir pendant que pas gagne aucun résultat. 2023 pour gagner un échec économique, ou un échec politique, ou un échec social. M'a besoin répéter ça mais tout le monde connaît je dis à nous gagner plus que 200 000 déplacés internes. M'a besoin répéter ça tout le monde connaît accord 2021 accord 21 décembre 2022 a qui donc était véritablement fait 2023 un chantier sécuritaire eh ben pas gain sécurité. Mariani évidemment vit dans zone un territoire perdu. Et autant de territoires perdus que nous avons dans le pays. Tout le monde connaît que politiquement, après échec CARICOM, c'est-à-dire que nous n'avons pas un chantier électoral, pas un conseil électoral provisoire, nous n'avons pas un chantier constitutionnel, pas un comité d'experts pour changer la constitution. Tout le monde connaît, sur le plan social, politique et économique, son désastre. Et tout le monde connaît, c'est parce que le gouvernement, ça, qu'il a, yo incapable, c'est parce que tout le monde connaît yo tout le monde ouais à vivre incapacité yo. En ce ça, moi crois que 7 février 2024 qu'ou accord 21 décembre te dit ou doit gagner une autre réalité de monde intègre, compétent, dynamique qui capable mener back pays. Donc nous même c'est ça qui positionne nous mais faut que nous gagner un exécutif bicéphale. Il est pas possible pour gagner un seul monde qui gagne toute réalité pouvoir, tout contrôle l'État nan men. C'est lui qui décide de vie et de mort et de 12 millions haïtiens alors que nous c'est une démocratie. Donc nous avons une véritable dérive dictatoriale qui doit freiner. C'est pour ça nous même nan aider nous mander nous croire et nan bataille pour nous gon exécutif bicéphale côté pouvoir acteur yo balancer en dans exécutif là. Et là nous pas dans question exclusion, nous pensons qu'il faut que tout le monde là-dedans, mais il faut effectivement nous avons un exécutif bicéphale côté pouvoir acteur ou balancé. Dernière discussion avec une personne de CARICOM, peut-être tu es capable de mettre nous sur l'autre voie par rapport avec la date butoir qui arrive là, 7 février 2024. Là. Négociation pas arrivée à terme. Docteur Ariel Henry, confortable dans le fauteuil comme premier ministre comme seul chef en de pays et comment nous-mêmes dans secteur opposition après série négociations ça qui aboutit à échec yo, comment nous entendons nous pour le n'a privé dans 7 février 2024 là pour nous connait qui direction que n'a bail tête nous vraiment et pays en particulier. Bon, écoutez, 7 février 2024 c'est une date importante nan et dynamique nan arène politique la arène politique nan dynamique politique son date qui est extrêmement important non pas capable ignorer ça aider c'était premier organisation politique qui t'a fait valoir ça à travers une lettre que t'a écrit à communauté internationale là pour attirer attention sur la fin de la période intérimaire ainsi fixée par le consensus national pour une transition inclusive et des élections pour une transition efficace et des élections inclusives. Donc ça relé accord 21 décembre. C'est nous qui t'ai attiré attention de la communauté internationale, de l'opinion publique nationale et internationale sur cette échéance qui arrive à grands pas. Donc nous pensons que c'est extrêmement important pour acteurs politiques yo Yoshita ensemble, formellement ou informellement, j'en ouvre là, pour yon définir un modus operandi pour avancer. Mais évidemment, avec un exécutif bicéphale, un côté pouvoir acteur ou balancé, aider, gagner une position constante sur ce question ça. Il n'est pas possible pour ces un petit groupe, un monde qui gagne contrôle toute réalité pouvoir. Il est important pour nous organiser l'élection. Côté que tout acteur yo rejoigne yo dans une gouvernance efficace et évidemment dans une transition qui inspire confiance. Est-ce que nous gagnons les bras politiques pour une bataille contre le système ça là pour permettre que tout bon vrai élection? Parce que ça est très important pour nous montrer, mon yo, côté que
n'a pas mené tête, je veux dire, quelle direction que n'a pris avec secteur opposition. C'est ça, il est très important. Bon, moi-même, ça m'est capable de dire, Ismaël. Et nous-mêmes, nous avons aidé, nous avons bataillé chaque jour, nous avons consultation populaire pour nous véritablement organiser nous et permettre que la population lui-même lui participe de façon pâle, comme elle toujours fait, pacifiquement dans la négociation. Parce que tabla pas nécessairement pas le bon résultat. Donc c'est peut-être ça et nous-mêmes nous croyons que c'est important pour nous faire consultation. Donc aider et dans tout pays, dans tout département, dans toute commune, dans consultation populaire, dans rencontre avec monde, dans chita avec monde pour définir une véritable alternative, mais qui gagne force que les deux gagnent. Bon, nous-mêmes, nous avons aidé, nous faisons travail pas nous, hein, et nous interpeller, nous parler avec l'autre acteur politique pour faire travail de consultation populaire, yo, pour nous capables d'avancer ensemble, parce que nous ne croyons pas que Jodia son petit groupe monde pour continuer qui est capable de mener le pays sur rail développement durable. Et ça qu'a fait là, Jodia, lui, laissez à désirer. Tout le monde, ouais, ça qu'a fait là, Jodia, lui, pas tenable. Donc, il faut que nous fassions un bagage. Et ensemble, nous devons faire un bagage. Sur qui point que nous ne pouvons pas arriver à entendre nous dans ces discussions? Bon, nous ne pouvons pas arriver à entendre nous d'abord sur question exécutive bicéphale. Là. Exécutive bicéphale, là, alors ça nous relève exécutif à des têtes là, les répondre à loi et à l'esprit et l'être concession haïtienne. Là. C'est ça que fait une gouvernance qui est handicapée, je dis, là. C'est parce que l'expérience en affaires, son expérience. Nous sommes capables de dire qui est inédite dans l'histoire. Nous avons un premier ministre seulement qui a dirigé, donc nous avons une situation qui vraiment, nous sommes capables de dire, pas aller à la réalité politique que nous avons habituée, ou bien culture politique. Non. Parce que d'ailleurs, il n'est pas constitutionnel. Donc, c'était d'abord sur la question de l'exécutif bicéphale pour nous balancer le pouvoir. Moun qui n'a exécution. Un premier ministre, un président, ouais, et premier ministre a dirigé un gouvernement d'unité nationale. Donc, mes côtés, nous pas d'accord. D'abord, c'est là nous pas d'accord. Maintenant, nous pouvons quand même, dans la négociation, yo, aller sous est-ce que M. Ariel Henry a prêté ou bien pas prêté. Nous pouvons un sujet dans la négociation ou bien dernière mission CARICOM là, nous tenons question de exécutif bicéphale. Maintenant, après exécutif bicéphale, là, évidemment, on fait un conseil présidentiel ou un président, on va décider comment on va constituer gouvernement, etc. Donc, c'est là nous camper et moi-même, moi, espérer que nous avancer dans ce sens-là. Au-delà de question ça, nous avons une réalité, je dis, nous avons une réalité avec un gouvernement qui n'est pas capable de délivrer. Nous avons une réalité avec un gouvernement qui faillit à mission. Nous avons une réalité avec un gouvernement qui échoue peuple haïtien. Un gouvernement côté chaque grain de monde qui l'a dans, c'est espoir ou c'est désespoir. C'est ça nous avons là et c'est pour ça les important pour changer gouvernance. C'est pour ça les important pour capable bailler l'espoir. Pour qu'a fait espoir renaître en d'un pays, il est important pour nous changer modèle gouvernance.